Oh, merci, l'applaudissement pour rien. Donc, je suis très heureux d'être là, j'ai été invité par Claudia pour venir sur ce gala. Après, je sais que c'est pas pour mes vannes qu'elle m'a invité, mais c'est pour ça. Et elle m'a fait « Ah, tes cheveux, ils sont doux, hein, c'est lavable en machine. » Je fais très mal l'accent, je suis désolé. Et c'est cool de passer en Suisse après une grosse tournée et un bilan fiscal. Oui, parce que j'ai joué partout dans le monde. Et c'est vrai que c'est intriguant que je puisse aller jouer partout dans le monde. Mais parce qu'il y a des francophones partout, il y a des Français partout. Historiquement, on est une putain de... Ben, on est des colons. Et comme le nom l'indique, eh ben, on fout la merde partout où on va. Et ça fait toujours plaisir de venir prendre leur argent. Alors, vous êtes très mignons les Suisses. Mais on n'a pas le temps, ok? La prochaine fois, vous voulez applaudir, vous mettez vos mains dans vos poches et vous, vous éclatez les couilles, on reste cool. Non, parce que là, c'est un peu la merde là, en ce moment en France aussi. Ben, on paye les pots cassés. Vous avez vu là, les gilets jaunes, là, la petite révolution, parce qu'on en a marre de se faire taxer de partout. Et moi, ce qui m'a rendu ouf, en fait, c'est que à cette même, le même jour, il y a eu la manif violette. Vous avez vu ça? 22 000 femmes, selon les organisatrices, 50 000 parmi les policiers et 4 selon les médias. Personne n'en a parlé, en fait. Et moi, ça me rend dingue parce qu'aujourd'hui, tu sais, la violence faite aux femmes, elle a été tellement banalisée. Là, on vient de relaxer un mec parce qu'à son jugement, il a dit « Elle portait un string, j'avais le droit. » Sérieusement? Alors moi, j'aimerais qu'on arrête de donner des cours de self-défense aux femmes et qu'on donne des cours de self-control aux hommes. Tu sais, une espèce de rééducation. Non, hey. Franchement, je vous jure, gardez vos applaudissements. On n'a pas le temps, de ouf. Il est long, le gala. Là, on est jeudi. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut les rééduquer, en fait. Parce que si tu pars à la logique où tu vois de la peau, tu peux rentrer dedans. Pourquoi c'est pas plus de viol à la plage? Tu sais, c'est là où tu vois des hucs, c'est là où tu vois des boobs. Qu'est-ce qui se passe quand t'es un violeur? Il y a du sable et de l'eau salée? C'est leur aïe à eux? À ces putains de vampires? Parce que tu vois, et moi je pense que, tu sais, il faut... En fait, on apprend mieux grâce à la vie, en fait, grâce à l'expérience. Et moi je ne souhaite pas à ces 27% de Français de se faire un jour violer pour qu'ils comprennent que c'est pas parce que tu vois un peu de peau que tu rentres dans la personne. J'aimerais juste que ces 27% se fassent juste un jour cambrioler. Qu'ils aillent à la police et que le flic leur dise « On est rentré chez vous? Sans votre invitation? Vous avez des fenêtres? Vous l'avez cherché, petite salope. » Et ferez la collection. Chut, pas le temps. Et... Après, moi, je pense que je suis célibataire aussi parce que, tu sais, j'ai pas de filtre, en fait. Tu sais, je dis tout ce qu'il y a dans ma tête. Il y a une femme de ménage de temps en temps qui vient pour faire le ménage parce que vous, les femmes, on vit dans une société tellement patriarcale, machiste, qui vous fout tellement la pression que vous avez un manque de confiance. Si, elle vous fout la pression. Vous êtes constamment jugées, les femmes. Vous êtes jugées entre vous. Eh, regarde-là, elle est habillée comme une pute. Par les mecs qui font, elle est habillée comme une pute. Par les putes qui font, mais elle est habillée comme Bunaimin. Et donc, du coup, vous avez un manque de confiance en vous et vous posez toujours des questions à votre partenaire pour qu'il soit rassuré. Pour que vous vous rassurez. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Pour être rassuré. Chérie, tu trouves que j'ai grossi? Et moi, j'ai pas de filtre. Ouais, demande au miroir. Moi, je suis pas un mytho. Et puis physiquement, je suis pas rassurant. Moi, tu marches avec moi, il y a du vent, je suis en Allemagne, tu vois. Mais. Non, je vous dis ça parce que je suis célibataire depuis quasiment 9 mois, là. Ouais, je pense, la prochaine fois que je vais ken, je vais éjaculer de la poudre. Tu veux un enfant, mets de l'eau. Ça marche comme le tango. Parce que, en fait, mon ex était avocate. Et je sais pas si vous avez vu le film Le Speed, ou entendu parler de ce film-là. Histoire du mec à 24 personnalités, là. Et je pense que toutes les femmes, vous êtes des speeds potentiels. Vous avez tout à l'intérieur de vous, là, une petite avocate qui peut garder tout ce que l'on dit un jour contre nous. Et vous avez une mémoire de fils de pute, ça garde tout, là. Là, il y a un disque dur, il y a les X-Files, il y a Mulder et Scully, ils sont là, ils mènent des enquêtes. T'as dit ça en 83, mais j'étais pas né en 83. Nous, les hommes, c'est une mémoire vive. Nous, on oublie tout, là, barrette de rame. Nous, on se branle une fois, risette. Mais t'as dit qu'elle allait acheter du pain ce matin. J'en suis branlé cet après-midi, laisse-moi tranquille. Et donc, du coup, pour éviter des embrouilles, en fait, quand j'allais chez elle, on regardait la télé ensemble, tu vois, pour éviter de s'embrouiller. Parce que la télé, c'est écrit pour ça, pour qu'on évite de se parler, nous, les humains.
on est happé par le vide de Hanouna, on est happé par le flux des informations. Et tu sais, notre cerveau, il s'en va, en fait. En train de regarder les infos comme ça, et on a vu qu'aux élections dernières, il y a une DSK qui est arrivée qui a dit, hey, je vais peut-être revenir dans le game. Vous en souvenez, DSK? Ouais, l'affaire Nafissatou Diallo. Nafissatou avait pris 3 millions de dollars de frais dédommagement. 3 millions de dollars. Toi, c'est la pipe la plus chère du monde, tu vois. Donc, moi, je suis choqué, je mange un caillou, je me dis, ça change la vie, 3 millions de dollars. Et toi, est-ce que tu sucerais DSK pour 3 millions de dollars? Elle me fait, mais pour qui tu me prends? Moi, jamais de la vie. Et elle me regarde, et j'ai dans ses yeux, et toi? Moi, mais pour juste 1 million, je le suce de ouf. Et elle me dit, mais après avoir fait ça, est-ce que je dirais de te regarder dans le miroir? Avec 3 millions de dollars, mais je rachète tous les miroirs du monde. Et je marche fièrement dans la rue et j'envoie, hey, t'as quelque chose là, je fais ça? Ça c'est 100 000 dollars, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, c'est là en fait que j'ai compris que humour, ça n'est pas toujours avec un mot en fait, parce qu'on m'a foutu dehors. Mais après 2-3 jours, on s'est réconciliés. Et tu sais, quand tu t'embrouilles à la personne que t'aimes, quand après tu te réconcilies et que tu fais l'amour de réconciliation, tu sais, c'est rough, c'est sauvage. Et je pense que c'est pour ça, les filles, vous aimez embrouiller vos gars. C'est que de temps en temps, vous aimez être ken dur. Non, c'est une étude que j'ai menée, vraiment. Moi, je vois mes parents, ils s'embrouillent, je pars fumer une clope, je reviens, maman, tu souris, t'as ken, maman. Et on fait l'amour et c'est sauvage dans ma tête. Il y a des animaux, il y a du hip-hop, il y a 50 Cent qui vient, top 5, poteau. Et je lui fais une simba, elle ne comprend pas la référence, en fait. Vous savez, c'est quoi une simba? Ouais, c'est au moment des jacques faciales, tu mets un dernier coup sur le front et tu fais simba. Et en fait, je pense qu'on a vraiment rompu parce qu'elle supportait pas que je fume beaucoup trop, en fait. Parce que je fume beaucoup trop. Et du coup, tu sais, j'étais passé à la clope électronique avec elle. Et de temps en temps, tu sais, je refumais une clope normale. Elle me fait, mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, les non-fumeurs comprennent pas cette différence qu'il y a entre une clope électronique et une clope normale, en fait. Tu sais, cette différence, c'est comme quand t'es pédophile et on te file un nain. Tu sais, ça y ressemble, mais ça n'a pas du tout le même goût, en fait. Pas du tout le même goût. Eh, ça sert à rien de vous cacher la tête, les filles. Vous oublierez jamais. Mémoire de fils de pute. C'est gravé dans la roche, là. Vous verrez un mec vapoter dans la rue, penserez à moi fort. Avec un nain qui passe. Combien de teufs passent partout? Et... je sais qu'il y a beaucoup d'inégalités en ce moment, mais il y a un truc où hommes et femmes, on est égal, en fait. C'est contre la mort. On n'arrive pas à lutter contre le temps. Sauf peut-être une ou deux personnes, dont Pharrell Williams. Ça fait 30 ans qu'il a 20 ans, le gars. Lui, il va survivre à Michel Drucker, c'est sûr. Il va chanter à son enterrement, ce bâtard. Non, mais ouais. Non, mais business match de ouf. Grosse musique, il a une marque de vêtements, il fait des restaurants. Et moi, je pense que son sperme rend immortel. Je pense que Madonna devrait faire des crèmes de jour avec du Pharrell Williams. Je pense même que Pharrell faisait les effets spéciaux dans le film Benjamin Button, là, avec Brad Pitt. Faut, hey, Pharrell, on tourne la scène où Brad, il a 12 ans. OK. Un rap. Merci, c'était vous, Naïmi.